Quelles sont les nouvelles, Kate Walker? On dirait Miss Kate Walker avoir tant de s'amuser. Cette attraction est le seul moyen que j'ai trouvé pour atteindre la station de métro du parc. Et Miss Kate Walker, trouvez quoi pour Yukol? J'ai déjà appris que le métro est sain. Pas de radiation. Enfin, libre de tout mauvais esprit, si vous préférez. Mais surtout, en sortant par sa dernière station, nous pourrons quitter la ville tout en restant sur l'itinéraire sacré de la transhumance. Où débouche cette station? Une sorte de complexe sportif, Olympe, ou quelque chose comme ça. Olympia, terre de martyrs. C'est du beau travail, Kate Walker. Je ne sais pas ce que les Yukol feraient sans ton aide. Avant tout, il faut tracter le cristal sur la plage. Comment pouvons-nous t'aider, Kate Walker? Évidemment, vos grosses autruches ne pourront pas utiliser ce wagonnet pour atteindre la ligne de métro. Les Yukol pourraient déblayer les gravats qui bouchent l'entrée de la station pendant que je m'occupe du cristal? Vais trouver volontaire. À plus tard, Miss Kate Walker. Olympia. Ça n'a pas l'air de plaire à Ayahuasca. En vérité, on m'a raconté que la précédente transhumance y a vécu de sales moments. Une tragédie qui a laissé des cicatrices indélébiles. Mais tu as suffisamment à faire pour le moment. On parlera de tout ça plus tard. Une fois que nous aurons quitté Baranoa, quelle sera la prochaine étape? La rivière Balatom. Une fois que nous aurons franchi le pont sacré qui l'enjambe, nous aurons passé la douane et nous serons au Yakastan. Nos poursuivants ne seront plus en mesure de nous nuire là-bas. Tu as des nouvelles des Yukol encore enfermés dans le cristal? Tout le monde va bien, même si les autruches commencent à s'impatienter. Il va vite falloir les faire sortir, Kate Walker. J'y vais, Kirk. Je dois aller retrouver un vieil ami. L'emblème de Hans Vorarlberg. À y croire. Kate Walker. Bonjour, Kate Walker. Alors ça y est, nous pouvons repartir? Vous avez remonté le ressort du train, n'est-ce pas? Et Monsieur Hans Vorarlberg, est-il bien à bord? Il n'y a plus de train, Oscar. Et il n'y a plus d'Hans Vorarlberg. Je vous demande pardon. Vous-même, vous étiez censé être mort. J'ai installé votre cœur sur un modèle analogue au vôtre. Et cela semble avoir marché. C'est bon de vous revoir, Oscar. Ça va aller, Oscar? Je suppose que oui, Kate Walker. Je n'ai pas, à ma connaissance, été programmé pour les états d'âme. J'imagine. Mais allez savoir, Oscar. Vous étiez un sujet très doué. Ce nouveau corps manque passablement d'entretien. Il souffre de rouille arthrosique à toutes les jointures. Oscar,
J'ai besoin de votre aide. Bien sûr, Kate Walker. Je suis conçue pour ça. J'accompagne les Yukol dans leur grand voyage. Vous savez, ils m'ont recueillie mourante le long d'un fleuve quelque part à l'ouest de Sibéria. Ce peuple accompagne la transhumance des autruches des neiges vers les terres sacrées, où celles-ci se reproduisent. Nous sommes poursuivis par des miliciens passablement fanatiques qui se sont donné pour mission de renvoyer les Yukol chez eux. Quant à moi, ils veulent me livrer aux autorités américaines, rien de moins. On m'accuse de toutes sortes de malversations. Yukol, peuple primitif nomade du Grand Nord, vivant en symbiose avec les grands troupeaux de Struthionibis, communément appelés autruches des neiges. C'est ça. En résumé. Kate Walker, américaine déviante, intellectuellement et politiquement instable, influencée par les circonstances et les rencontres, malgré une rigueur morale incontestable. Je suppose que c'est bien ça, en résumé. Bien. En quoi puis-je vous être utile, Kate Walker ? Nous sommes coincés ici, dans cette zone irradiée, et il nous faudrait partir au plus vite pour échapper aux gens qui nous poursuivent. Mais les Yukol et leurs troupeaux se retrouvent prisonniers du bateau qui les a amenés jusqu'à cette plage empoisonnée. Il faudrait pouvoir tracter le cristal pour le désensabler et ainsi libérer la porte arrière pour que les autruches puissent sortir. Je pense qu'un véhicule sur le ponton là-bas pourrait nous aider dans cette entreprise. Mais seul un automate semble en mesure de pouvoir le piloter. Je vous rendrai volontiers ce service, pour peu que ce vieux corps éreinté fasse encore l'affaire. On fera avec, Oscar. Faites-moi confiance. Bien, alors je vais m'efforcer de vous aider, Kate Walker. Mais... Kate Walker, mes vêtements. Je n'ai aucun vêtement. Voyons, où est le problème, Oscar ? À New York, j'ai assisté à des défilés où vous auriez fait un malheur. Non, Kate Walker. Il est hors de question que je déambule dans le plus simple appareil. Mon intimité mécanique est protégée par des brevets industriels qui assurent la pérennité des manufactures Vorarlberg. J'ai besoin de vêtements, voilà tout. Oscar, s'il vous plaît. N'insistez pas, Kate Walker. Je ne bougerai pas d'ici sans une tenue décente. Très bien. Je vais vous trouver des vêtements. Miss Kate Walk, pas s'inquiéter. Yukol font attention à mauvais esprit. Pas d'inquiétude, vais pas m'éloigner. Plus de courant.
Où sont passés les Yukol? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je refuse que tu sois mariée de force à Tatiana. T'imaginer avec cette créature. Oh, je mourrai. Tout comme je mourrai d'être unie à Yuri. Ça, histoire très très triste, Miss Catwalk. Piotr et Genia smush love. Mes familles les ont promis à Tatiana et Yuri pour toucher héritage du grand-oncle Joseph. Vous croyez vraiment que c'est le moment de suivre des feuilletons à l'eau de rose? Il faut finir de déblayer l'entrée avant l'arrivée d'Olga et du colonel. Tsa, Yukol retourne creuser. Il n'y a plus rien à faire, Magenia. Il faut accepter notre sort et tâcher de mener des existences vertueuses. Nous ne sommes pas obligés de nous résigner. Peut-être que... Peut-être que s'il arrivait quelque chose à Tatiana et Yuri. Un accident à la centrale, par exemple. Genia, tu n'y penses pas? Katerina? Ah, encore vous? Voilà votre clé. Merci encore. Qu'est-ce qu'il vous faut? Des vêtements pour Oscar, mon ami, automate. Hein? Vous savez, pour un automate, il est très pudique. M'a pas l'air très clair votre histoire. Mais enfin... Vous pouvez regarder là-bas dans l'armoire où j'ai mis les choses d'André. Voilà pour l'ouvrir. Mais n'en prenez pas plus que nécessaire, hein? Je suis quand même attachée à tout ça. C'est des souvenirs. Kate Walker. Eh bien, Oscar, vous avez finalement succombé aux sirènes du naturisme? Plus vite je serai décemment habillée, mieux je me porterai. En venant vous rejoindre, j'ai croisé une bande de nabots hirsutes et très mal polis. Je vous épargne les colibets dont j'ai été la victime. Ne vous fâchez pas. Regardez plutôt dans cette armoire. Les vêtements devraient être à votre taille. Comment me trouvez-vous, Kate Walker? Très saillant, Oscar. Vous êtes parfait. Merci, Kate Walker. Maintenant, dites-moi plus sur ce chariot que vous voulez que je conduise. Il se trouve sur la jetée, à côté de notre bateau, le cristal. Eh bien, dans ce cas, nous n'aurons qu'à nous retrouver là-bas, Kate Walker. Parfait. À tout à l'heure, Oscar.
Kirk? Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je venais... Ôte-moi d'un doute. Ce ne sont quand même pas les autres Yukol qui t'ont parlé du feuilleton chez Katerina? Non, non. Et évidemment, tu n'es pas venu là pour essayer de le suivre à ton tour. Un grand guide spirituel comme toi n'est pas amateur de ce genre de niaiserie. Bien sûr que non, Kate Walker, je... Et donc, tu t'apprêtais à retourner avec la tribu pour t'assurer que tout va bien pour elle? C'est exactement ça, oui. D'ailleurs, j'y vais de ce pas. À plus tard, Kate Walker. Ah, Kate Walker. Alors, qu'attendez-vous de moi? Ça valait bien la peine que je vous trouve des vêtements? Tout est question de nuances et de circonstances, Kate Walker. Bien sûr. Suis-je bête? Il y a une différence entre déambuler dans le plus simple appareil et devoir exposer, pour les besoins de la cause, la musculature mécanique d'un torse de travailleur de fer. Je suis à vos ordres, Kate Walker. Je vais avoir besoin que vous utilisiez ce chariot pour tracter le cristal sur la plage. Vous vous en sentez capable? J'ai été le conducteur du train Vorarlberg, Kate Walker. Pour moi, piloter ce tracteur ne pose aucune difficulté. Je vais simplement avoir besoin d'un peu d'aide pour mener à bien cette mission. Qu'est-ce qu'il vous faut? Tout d'abord, vous devez relier le cristal à ce tracteur. D'accord, Oscar. Et puis ensuite? Je ne pourrai rien faire tant que ce chariot ne sera pas alimenté en électricité. Entendu. Je vais essayer de remettre le courant dans le parc, alors. Prenez garde, Kate Walker. Les êtres vivants risquent de graves sévices corporels en cas de manipulation inappropriée de composants électriques. Heureusement que vous êtes là pour me le rappeler, Oscar. Pas d'inquiétude, je vais pas m'éloigner. Trop. Nanuk metal papel sotoranori. Des prises électriques? Trop. Miss Catwalk, besoin d'aide? Oui. Pouvez-vous brancher ce câble au cristal? Peut-être que comme ça, j'arriverai à remettre du courant dans le parc. Pas problème. Très bien. Merci pour votre aide, Monsieur Borut.
Beaucoup de travail avant de partir. Va rallumer bateau. Vais en profiter pour brancher corde magique. Miss Ketwork. J'ai besoin que vous preniez cet amarre à côté de vous et que vous l'accrochiez au chariot là-bas, s'il vous plaît. Tcha-tcha. Merci. Oui, Kate Walker. Allez-y, Oscar. Essayez d'avancer. Stop, Oscar! Stop! Ça ne marche pas, Oscar. On ne fait qu'enfoncer le cristal dans le sable. C'est fâcheux, en effet. Avec cet engin, la traction exercée est trop horizontale. Il serait préférable de tracter à partir d'un point situé plus en hauteur. Le câble serait à l'oblique, et votre bateau avancerait et serait soulevé tout à la fois. Voilà une brillante analyse de la situation, mon cher Oscar. Autre chose, peut-être? Pas précisément, Kate Walker. Mais il vous faudrait peut-être aller voir plus loin sur la jetée. Pouvez-vous me donner du mou sur la mare pour que j'y amène le chariot?
rien à faire. Ça ne va pas. Ça ne marche pas. Impossible. Oui, Kate Walker ? Allez-y, Oscar. Essayez d'avancer. Je n'arriverai pas à décrocher ce câble toute seule. Le problème est pourtant simple, Kate Walker. Vous devez trouver le moyen de tracter le cristal par le haut. J'avais cru comprendre, oui. Merci d'enfoncer le clou, Oscar. Oh, mais je vous en prie. J'avais oublié la satisfaction intense qu'il y a à vous guider sur la voie de la raison. Mais est-ce que tu... Est-ce que vous pouvez prendre l'amarre accrochée au câble de ce chariot là-bas et l'accrocher à la grande roue, s'il vous plaît? Toc. Ok, toc. Oh. Je ne peux pas avancer davantage, Kate Walker. Nanook Metal Pabel Shotoranore. Je suis sur la bonne voie, mais le mécanisme manque encore de force. Mission accomplie. Enfin, si on veut.
Félicitations, Kate Walker. Grâce à toi, la transhumance va pouvoir reprendre. Merci, Kirk. Mais sans l'aide de la tribu, je n'aurais rien pu... Pic Nanook Metal! Bonjour. Tudouk Anok! Tuk Tuk! Gabu Taktok Metal Pic Nok Nanook! Liamasu Oscar Pic Espirituluk Kulet! Espirituluk! Que leur avez-vous dit? Que bel homme métal n'est pas monstre. Pas dangereux. Bel homme métal. Dites-moi, Ayahuasca, ce bon vieux Oscar semble vous impressionner? Intérêt purement spirituel. Mes tribus vont mettre temps à s'habituer à lui. Plus prudent qu'il voyage dans yourte de chaman. Il va être ravi. De mon côté, je vais essayer de faire sortir les autruches. Que tout le monde se tienne prêt au départ. Charmant. Une vraie chambre de midinette.
Mais madame, puisque je vous dis que je peux parfaitement suivre votre caravane à pied. Yourte de chaman très confortable. Bel homme métal doit se reposer après tout ce que lui faire pour tribu. Oh, mais madame, enfin, je... Leur bateau est juste là. Mais où sont passés l'Américaine et ses maudits sauvages? Ils ne peuvent pas être loin. Et s'ils ont été assez fous pour s'engager dans Varanor? Les radiations s'en occuperont pour nous. Exactement.